Ciao, ciao les kilous, bienvenue, welcome avec Taskiller 85, et j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, encore une fois, j'espère, si vous voulez que je vous dise, moi. J'y crois en tout cas. Donc, bah écoutez, si ça va pas bien, j'espère que cette petite vidéo va vous mettre de bonne humeur, parce qu'aujourd'hui on va parler technique, ça va être relou. Mais pour ceux qui cherchent un petit chargeur original, ça doit leur faire plaisir. On va parler aujourd'hui du petit D6 Elite de chez Hobbymate. Alors normalement vous devriez bien voir, donc je vais rester avec ma caméra casquette, ça devrait suffire, j'ai fait quelques tests en changeant les contrastes de l'écran, parce qu'on peut le faire bien sûr, ça devrait fonctionner. Donc pourquoi je vous présente ce petit chargeur? Parce que bah écoutez, il paye pas de mine, il fait tout ce que fait un chargeur de base, où il n'a qu'une sortie bien sûr, même si on peut utiliser une board parallèle, il n'a qu'une sortie, donc on va charger une batterie à la fois, mais... et puis il fait les résistances, il fait la décharge, il fait le stockage, il fait tout ce que fait un autre chargeur, mais il fait d'autres choses en plus. Donc ça me tenait à cœur de vous le montrer. Là on a entendu le ventilo qui s'est mis en route, il n'est pas très très puissant, on a un double ventilateur sur l'arrière et il ne fait pas énormément de bruit. Donc je vous le présente, donc forcément on a une entrée ou une sortie en XT60, vous verrez, je vous en parlerai. On peut aller de 2 à 8S ici pour la prise de balance. On a une alimentation qui se fait en XT60 également. Tout de suite, je peux vous parler de ça. C'est-à-dire que j'ai une batterie 4S ici, 5000 mAh, pour pouvoir l'alimenter. Donc c'est un chargeur nomade. Mais on peut aussi le brancher sur une alimentation basique comme celle-ci. C'est une alimentation que j'ai trouvée sur Banggood. Je vous mettrai les liens dans la description, bien sûr. Avant de vous en parler, j'ai attendu à peu près un mois et ça fonctionne super bien. C'est une alimentation sur laquelle on peut régler le voltage. Celle-ci va de 0 à 24 volts et on peut même l'éteindre. Donc, c'est la bonne prise sur le dessus. C'est un DC de base. Il suffit d'avoir un AC-DC comme ça avec un XT60 au bout pour pouvoir alimenter, donc ça je verrai, moi je l'ai bricolé, mais je pense que ça se trouve également, donc je vous mettrai des liens si je trouve ça. Donc on peut s'en servir comme chargeur nomade, mais on peut s'en servir également en chargeur à la maison, tout simplement, si vous avez une petite alimentation comme celle-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce petit chargeur? On a ici une sortie en 5 volts, un USB, pour recharger un portable ou autre. Et également ce port USB, il vous est livré avec un double USB comme ça, va vous servir à upgrader le firmware s'il y a besoin. Donc dans un premier temps, il n'y aura pas besoin, puisque là, tout est installé. Mais vous allez pouvoir mettre à jour le firmware ou augmenter ses performances, pourquoi pas. Et juste à côté, on a une petite prise basique, comme ça, moins plus signal. Vous savez, c'est ces petites prises basiques, j'ai même oublié le nom, les petites prises noires, là, qu'on peut trouver sur des récepteurs, sur des cerveaux, sur qui se branchent sur les ESC, par exemple. Vous connaissez ces petites prises-là. Hop, je vais vous en montrer, ça ira plus vite. Donc voilà, la petite prise dont je vous parle. Donc ça, il y en a un peu partout. Et pourquoi on a cette petite prise? Parce que ce chargeur va servir à pas mal de choses. Donc c'est parti, on va commencer à parler des choses basiques. Alors comme vous le voyez là j'étais en train de balancer simplement en mode stockage, en storage, puisque là on a le langage anglais et chinois simplement, donc en storage à 3,8, 3,80 par cellule. Donc là j'ai pratiquement terminé, je vais pouvoir stopper, donc hop, exit et j'appuie. Simplement. Donc on a un petit bouton exit et on a également une molette pour se balader, vous voyez, qui sert aussi quand on appuie dessus, comme là sur setting, tac, à entrer. Donc un bouton d'entrée, un bouton de recherche et un bouton de sortie, c'est tout simple. Alors qu'est-ce qu'on a dans les paramètres? Donc lowest input, ça c'est pour la sauvegarde si vous l'alimentez avec une batterie, chose que je vais faire maintenant, ce sera plus simple. Donc j'éteins, tac, mon petit transfo, t'as vu, il y a un bouton pour l'éteindre, c'est chouette. Et je vais brancher ma batterie 4S ici. Donc c'est une batterie de base, hein, même s'il y a des caméras de montées dessus, on s'en fout. Donc là, on est alimenté en 4S. Et lowest input, ça c'est pour réguler, c'est-à-dire mettre votre valeur minimale pour sauvegarder votre batterie. Donc là on est sur une 4S, donc moi j'ai mis 14 volts pour pas descendre en dessous 14 volts. Si vous utilisez une batterie 3S, réglez votre lowest, votre minimum à 10,5 volts par exemple, pour pas descendre en dessous 3,5 volts par cellule par exemple. Vous l'avez compris. Alors input power 350 watts, ça c'est
le maximum qu'on peut rentrer, température maximum 70 degrés, parce que ce petit engin est bourré de sécurité. Si vous faites une fausse manip, il va vous le dire tout de suite. Ça, c'est plutôt sympa aussi. Ensuite, charge time, le nombre, enfin le temps de charge, donc j'ai mis 2 heures. On s'en fiche. Alors, discharge mode, alors ça c'est important. Vous avez internal, et si vous appuyez, vous pouvez changer sur recycle. Et bien écoutez, c'est simple, si vous êtes sur internal, vous allez pouvoir décharger, stocker ou balancer une batterie, et le jus, l'électricité que vous allez sortir de la batterie va être éliminée par le chargeur, va être absorbée par le chargeur. Donc vous aurez un maximum de décharge autorisée si vous utilisez cette fonction-là, parce que le chargeur ne peut pas évacuer autant que ça, autant que s'il est branché sur une autre batterie. D'où l'intérêt du recyclage. En recyclage, ici, recycle, tac, là vous allez pouvoir décharger ou mettre en balance une batterie ou un stockage beaucoup plus rapidement, à beaucoup plus d'ampères, parce que vous allez envoyer directement le surplus de courant dans la batterie qui vous sert à alimenter votre chargeur. Et donc, bah bien sûr, il va falloir mettre, il y a une sécurité à mettre quand vous allez l'activer, pour pas bien sûr faire exploser la batterie qui sert d'alimentation. Donc ça va la recharger jusqu'à un certain point, et ensuite il faudra, si elle est pleine, il faudra réutiliser le mode interne, tout simplement. Donc moi je vais laisser sur recycle pour pouvoir vous montrer. Je continue à descendre. Alors SBus value, ça on va pas y toucher, on va laisser en white. Backlight, ça c'est pour changer backlight et contraste, pour changer l'écran. Vous voyez là, moi j'ai mis hop sur cette couleur là pour que vous voyez plus facilement ici, parce que si je remonte le backlight, là, vous voyez plus rien. Donc là, ça devrait pas être mal pour vous. Le buzzer, parce qu'on peut, là, je l'ai désactivé, je vais l'activer, tac. Et vous avez différentes tonalités, différentes puissances, jusqu'à 7. Voilà, donc là, en laissant ça, à chaque fois que vous allez toucher quelque chose, vous aurez un petit bruit. Donc moi, je préfère le désactiver pour la revue. Alors, idle beep 5 minutes, ça c'est si vous ne vous servez pas de l'appareil, qu'il est resté branché pour rien, ça va vous prévenir qu'il est branché pour rien et que donc vous utilisez votre batterie par exemple. Donc, sécurité. Alors, up support, English, alors ça c'est le choix des langues, on s'en fiche un peu. Défaut confirmé, alors défaut c'est pour revenir au réglage par défaut. Là vous avez le numéro de série de l'appareil et là la version du firmware tout simplement. Donc, on a fait le tour des settings, maintenant on va aller dans le chargeur. Tac, donc je rentre dans le chargeur. Alors, hop, ici, vous allez voir, vous avez 5 présélections de différentes batteries, LiPo 3S, 4S, vous pouvez en mettre selon le type de batterie que vous avez l'habitude de recharger tout simplement. Donc moi je vais me mettre sur le 4S ici, puisque j'utilise une 4S, je vais brancher ma batterie, donc le négatif complètement à gauche, téton vers le bas, et je branche ma batterie. Donc là je suis en 4S, vous allez voir que si vous n'avez pas de batterie à la base de sauvegarder, il va reconnaître le nombre de cellules. Et donc ici je valide. Voilà, et donc maintenant il va me demander, donc bien sûr je peux changer, hein, je peux monter, je peux changer la puissance à laquelle je veux mettre les cellules, mais je vous conseille de rester jusqu'à 4,20 V. Bien sûr, vous pouvez faire LIHV, hein, hop, LiPo, vous voyez, on peut choisir entre LiPo, LIHV ou LIFE, NIMH, PB, donc vous avez le choix des batteries. Donc la LiPo 4,20 V, 16,8 V au maximum, 4S. Là, on choisit la puissance de la charge, donc là je vais mettre 1,5, donc on va charger à 1C. Hop, puissance de la décharge, je vais mettre 2 ampères ici, et ensuite on choisit entre stockage, storage, décharge ou charge complètement. Donc si je lance une charge, il valide, on est bien à 16,8 V maximum, et là c'est parti. Donc on voit apparaître le taux actuel de la batterie, 15,18 V. On a le taux des cellules, donc j'étais en train de balancer, donc je suis à 3,8 V un peu partout. 1,5 A, donc c'est le taux de charge. 22,6 W, 35 degrés, le temps qu'on va passer à charger, et ce qu'on a chargé jusqu'à maintenant. Donc on en est à 9 mA, 10 mA. Si je fais un clic droit, tic, ici, on va se retrouver sur les résistances.
donc il faut quelques secondes. Vous allez voir, si vous voulez juste savoir l'état des résistances de votre batterie, vous avez un mode pour ça, on va le voir juste après. On n'est pas obligé de faire cette manip là. Donc là, au bout de quelques secondes, on voit apparaître les résistances. Donc 10, 11, 11, 10, moi c'est plutôt correct. Pour une CNHL, elles ont une quinzaine de volts, c'est plutôt pas mal. Donc voilà toutes les infos qu'on va avoir. Je reviens sur le menu d'avant. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'à tout moment, vous allez pouvoir changer la puissance de charge. Donc là, vous voyez, on est à 1,5 ampères. Je maintiens appuyé, tac, et je vais pouvoir ici modifier, hop, si je veux charger à 1 ampère sur la fin, par exemple. Je choisis 1 ampère et il va charger à 1 ampère automatiquement. Vous pouvez régler ça autant de fois que vous voulez. Voilà, on va mettre 1 ampère 5. Voilà, vous avez entendu le ventilo. Et donc là, j'ai réglé à 1 ampère 5. Donc voilà pour la charge de batterie, c'est assez simple. Hop, je vais ressortir, stop working. Voilà, et on va maintenant tester autre chose que je voulais vous montrer. Donc je vais aller dans les settings et je vais mettre ici interne pour la décharge. Et nous allons mettre donc l'hypo 4S et on va mettre décharge ici. Donc décharge tout 3,6 V. Donc je vais emmener à 3,6 V par cellule. Je mets OK. Voilà. Et j'avais réglé la décharge à 2 ampères, rappelez-vous. Et bien regardez. Je ne vais pas décharger plus vite que 0,9 ampères parce que je ne suis pas en recycle, je suis en interne. Et donc là, c'est l'appareil qui doit dissiper la charge qu'il récupère de la batterie. Donc, on n'ira pas plus vite que ça. Maintenant, je stoppe. Je vais retourner rapidement dans les réglages et mettre en recycle. Voilà. Je retourne sur chargeur, je reprends ma 4S, je retourne sur déchargement, ici, voilà. Alors input limit, vous voyez maintenant on est en recycle, donc on va descendre à 3,6 V par cellule. Input limit c'est maximum 16,8 dans cette batterie là, je pourrais mettre un peu plus, elle accepte jusqu'à 17,4. Donc je peux le régler, je peux mettre 17 volts, voilà c'est une LiHV, hein, donc je peux y aller, voilà. Et je fais OK, tout simplement, et là c'est parti, et vous avez vu, on avait mis 2 ampères maximum, et bien là on retire jusqu'à 1,9 ampères, ça va monter jusqu'à 2 ampères en déchargement, donc c'est beaucoup plus rapide, bien sûr, on peut même, je pense, en maintenant ici, je vais monter à 3 ampères, je valide, et vous voyez, ça va augmenter. Voilà, je décharge encore plus rapidement. Donc je décharge ma batterie qui est là. Voilà. Et vous avez bien sûr le taux qui se fait ici. Donc j'arrête de décharger ma batterie. Tac, j'espère que vous suivez. Donc voilà pour le module de chargement. Maintenant on va passer au mesureur ici. Alors, pour le mesureur, je vais même débrancher mon alimentation ici. Et comme vous le voyez, ici, ça fonctionne. Donc là, bien sûr, si je débranche, ça ne fonctionne plus. Donc là, je vais faire comme si je voulais tester ma batterie. Donc je ne mets pas d'alimentation, je branche ma batterie comme un testeur. Ici, ça m'affiche automatiquement le voltage, les balances. Ici, la puissance totale. Donc c'est un testeur, tout simplement, si vous n'avez pas l'alimentation. Si on remet l'alimentation, ici, on va pouvoir retourner dans le menu et dans le mesureur ici. Voilà. Et là, on a PWM, PPM, SBUS, batterie, ESC. Donc là, je peux aller directement sur batterie, ici. Et donc, on va retrouver, bien sûr, les infos qu'on voulait tout à l'heure. Alors, vous avez voltage, mais on peut aussi avoir, ici, internal resistance. Je valide et je vais sur test. Voilà. Et là, il teste les résistances internes. Voilà. Et on les a automatiquement. C'est beaucoup plus rapide qu'avec le mode chargement de tout à l'heure. Bien. Donc, je ressors. Et maintenant, on va rester dans ce menu, le menu mesureur, ici. Et je vais pouvoir retirer ma batterie. Et je vais vous montrer à quoi peut servir le menu mesureur aussi, qui est assez intéressant. Donc, on a du PWM, PPM, donc je n'ai pas sorti de PWM. Je vais mettre sur PPM, ici. Voilà. Et on va brancher. Tac.
un récepteur qui fonctionne en ppm, tout simplement. Donc faites attention à respecter les polarités, bien sûr. Moins, plus et signal. J'ai plus qu'à allumer ma radio. Je me connecte, puisque bien sûr j'étais sur le bon canal. Et là, on voit qu'on a tous les signaux. Regardez, le throttle, le yo. Voilà, vous avez tous les signaux de votre radio-commande, jusqu'au switch, bien sûr. Vous avez tout. Donc ça vous permet quoi? Ça vous permettra de tester vos récepteurs pour savoir s'ils fonctionnent parfaitement bien, tout simplement. Donc là, on n'a pas d'autres tableaux à côté. PPM, on n'est qu'à 8 canaux, ici. Donc je peux ressortir. Et on va brancher maintenant un S-Bus. Donc vous le connaissez, hein, c'est le style FS-A8S. D'ailleurs, c'est un FS-A8S. Donc pareil, attention aux polarités. Et là, je vais mettre sur S-Bus. Voilà. Et pareil, comme je suis sur le même canal en FlySky, vous voyez, j'ai bien mon throttle, mon yo, et toutes les commandes, bien sûr, les switches également. Et là, si je fais un cran à droite, tac, je vais pouvoir avoir jusqu'à 16 canaux en S-Bus. Et si je continue, j'ai encore quelques informations sur, je ne peux pas les modifier, mais c'est les informations sur le récepteur tout simplement. Donc voilà, donc là, testeur de récepteur et testeur de batterie. On voit également marqué ESC tout en bas. Eh bien, on va tester un ESC, ça suit toujours. Donc voici mon nouveau montage, la classe ou pas la classe. Alors, deux solutions pour tester un ESC. Moi, j'avais pas d'ESC simple, donc j'ai pris un ESC 4 en 1 et j'ai simplement récupéré la masse, le fil noir et le signal du moteur numéro 1. Donc relié toujours hop, sur mon petit branchement, et on va mettre la masse dans le fond et le signal sur le signal, puisque là on n'a pas besoin du positif. Et deux solutions pour l'alimenter, soit on va l'alimenter directement par une batterie, soit on va pouvoir, si vous avez un câble de base comme ça, en XT60, on va pouvoir le brancher au chargeur. Il va s'occuper d'alimenter l'ESC et de tester l'ESC. Donc c'est parti, je mets sur ESC, je clique, et là on voit throttle à 0, donc je vais aller sur Start. Il met l'ESC en route, et maintenant je remonte sur le 0, ça se met automatiquement sur le 0, j'ai plus qu'à monter ici en pourcentage, et mon moteur se met en route. On peut faire de la musique. Je mixe. Et donc voilà, on a testé notre ESC. Donc j'ai appuyé sur stop, tout simplement. Et là, la tension redescend, l'alimentation s'arrête. Donc voilà comment on peut tester des ESC. Donc ça peut être un ESC simple, il lui faut juste une alimentation et le fil du signal avec le noir, avec la masse. Ça peut être un ESC simple, mais ça peut être un ESC 4 en 1. Voilà, vous pouvez vous fabriquer un petit banc d'essai pour ESC, et je trouve ça plutôt original, c'est plutôt sympa. Donc comme je vous disais, on peut également l'alimenter tout simplement avec une batterie. Voilà, donc là il a les premiers bips, mais il n'a pas le bip signal, donc là start. Voilà, et maintenant on va monter. Et ça fonctionne de la même façon. Voilà, donc stop. Voilà à quoi sert le testeur d'ESC. C'est pas intelligent ça quand même. Merci Obimate. Il existe hein, sous une autre marque je crois, mais il y a quelques différences. Celui-ci accepte du 7 au 30 volts. Je crois que l'autre marque commence à 10 volts simplement, donc pas en 7 volts 4. Alors attention, quand vous testez un ESC, n'allez pas l'alimenter avec du 4S par exemple, si c'est un ESC 4 ampères ou 8 ampères qui supporte que du 2S. Hein, pensez bien à l'alimenter avec une batterie 2S et brancher simplement le signal pour pouvoir le tester. Donc bah, il ne nous reste plus qu'à tester une fonction, c'est donc la fonction output qui est là. Parce que vous allez me dire, on a testé les batteries, on a testé des ESC, on a testé des récepteurs, mais on n'a pas testé des cerveaux. Est-ce qu'on pourrait pas tester des cerveaux? Eh ben si, bah pas le mien. C'est pour ça que j'ai sorti ma DHK Zombie qui est là. Salut Zombinette, comment que c'est?
parce que j'ai pas de cerveau de démonter. Voilà, j'ai des cerveaux sur mes voitures, mais j'ai pas de cerveau de démonter. Donc on va faire le test directement sur la voiture, vous allez voir. C'est assez original, c'est assez marrant. Alors le cerveau c'est quoi? Le cerveau c'est par exemple ce qui sert à la direction, ici, vous voyez, ce qui bouge là, pour faire tourner les roues. Donc ça c'est ce qu'on appelle un cerveau, ça vous êtes au courant, je pense, j'espère, sinon maintenant vous êtes. Et le cerveau est relié directement, ici, au récepteur. Donc je vais débrancher, alors je fais attention à ma polarité, hein. Je sais que c'est moins, plus et signal. Donc le moins c'est le marron et le signal le orange. Alors, je vais essayer de me mettre un peu plus près. Pour pouvoir tester le cerveau, on est donc sur Output, encore une fois. Donc, je reviens. Et je vais mettre sur PWM, parce que là, le cerveau, c'est en canal par canal. C'est pas du SBUS ou du PPM, là, c'est du PWM. On a un canal pour le cerveau et un canal pour le moteur, tout simplement. Donc, pour tester un cerveau, il suffit d'un canal, bien sûr. Donc, on se met sur PWM, que je m'arrange dans mon petit business. Ce serait marrant que vous voyez ça. Alors, je vais caler la voiture ici. Je vais mettre un support pour avoir les roues libres, pour pas que ça force sur le tapis. Voilà. Et je vais connecter donc ce cerveau ici. Donc, j'ai dit la masse, c'est le marron. Approche-te. Là. Voilà. Et maintenant, je vais presser OK. Vous voyez, ça a bougé. Je vous ai pas menti. Alors, on a mode manuel ici. Donc, je vais cliquer sur le mode manuel. Alors, pour le mode manuel, bien sûr, il faudrait là descendre sur. Donc, là, on est sur 1500. On est au milieu. Donc, je vais cliquer sur 1500. Et je vais descendre. Vous voyez, hop. Vous voyez les roues. Là, je descends près de 1000. Et je peux remonter ici. Jusqu'à 2000 pour avoir le maximum d'angle sur mon cerveau. Donc je vais remettre à 1500, tac, et je valide. Et maintenant je vais remonter sur manuel ici. Donc j'ai rien qui bloque là, non. Et je vais cliquer sur manuel et on va se mettre en auto. On va cliquer un coup à droite, regardez. Auto 1, donc on est à la première vitesse. On a auto 2 et on a auto 3. Allez, le cerveau fonctionne. Donc je reviens sur manuel et je peux ressortir d'ici. Tout simplement, on sait que notre cerveau fonctionne bien. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ça vous permet, ce petit engin, ce chargeur, vous permet, c'est même pas un chargeur, c'est une station de test pour moi, vous permet de pouvoir tester vos cerveaux également, vos ESC, vos récepteurs. Vous allez pouvoir tester tout votre matériel plutôt que d'avoir à brancher votre matos à chaque fois, faire des tests. Et du coup, on ne sait pas si c'est la radiocommande qui ne marche pas ou le récepteur ou le cerveau. Là, vous pouvez tester appareil par appareil. Donc PPM et SBUS, dans ces cas-là, ça va être la même chose, sauf que là, on ne va pas pouvoir le tester. Il faudrait par exemple que je puisse relier, vous voyez, si je vais sur SBUS ici, tac, je vais avoir tous mes canaux ici. Donc on a le throttle en 3, qui est au minimum. Et en fait, si j'avais ici une carte de vol, donc j'ai mes trois fils qui sortent, on va imaginer que ça, c'est mon récepteur, par exemple, un FS A8S, puisque je suis en SBUS, ou un récepteur FR Sky. Ça, ce serait mon récepteur. Il va y avoir les trois fils qui vont sortir de là et qui vont rentrer sur une carte de vol, tout simplement, sur le plus, le moins et le signal, tout bêtement. Et vous allez pouvoir tester, pardon, vous allez pouvoir tester que la carte de vol répond bien en fonction des différents signaux. Et pour ça, comment faire? Écoutez, c'est simple. On va se mettre, par exemple, pas forcément sur le throttle, on va se mettre sur le pitch, qui est le canal 1. On va rentrer, ici, et on va descendre. Ici, vous voyez, la petite barre descend là, et donc on aura une réaction forcément sur la carte de vol si il est ALIT alimenté, bien évidemment. Elle peut être branchée à Betaflight par exemple, et vous allez voir le canal monter et descendre, ou alors vous pouvez avoir les moteurs de monter sur votre drone sans les hélices, bien sûr. Et si vous faites ça et que vous êtes en mode accro, et bien en faisant ça, vous allez faire tourner en descendant le pitch, vous allez faire tourner tout simplement les moteurs avant. Voilà, vous allez pouvoir tester tous vos canaux comme ça. C'est comme si, je vous dis, vous aviez un récepteur ici qui envoyait un signal à une carte de vol. Donc voilà, on va pouvoir tester. Alors je vais le remettre à 1500 et je ressors. Donc on peut tester du PPM et du SBUS de cette façon-là. Bien sûr, sur le SBUS, vous avez encore une fois
jusqu'à 16 canaux. Et vous allez même pouvoir avoir le failsafe. Là, par contre, vous pouvez modifier. Vous pouvez mettre le failsafe, par exemple. Hop là, frame lost. Vous allez pouvoir changer des réglages ici, comme si c'était un récepteur, pour voir, encore une fois, si votre carte de vol réagit comme il faut. Voilà, et sinon, dans cette fonction output, on a également power. Alors, à quoi sert le power? Vous allez voir. Press OK to start power supply. Ça veut dire que votre petit chargeur, cette fois-ci, va servir à alimenter quelque chose. À quoi ça va servir, vous allez me dire? Bah, ça peut servir, par exemple, imaginez, vous n'avez pas de batterie, vous êtes branché sur le secteur, avec votre petit engin, et vous voulez, par exemple, binder un récepteur. Alors, vous savez que binder un récepteur, quelquefois, c'est un petit peu relou, parce qu'il faut maintenir le récepteur pendant que vous branchez la batterie. Regardez ce qui se passe. Là, je vais brancher une alimentation d'ici à mon drone. J'aurais dû retirer les hélices. Hein. C'est pas bien ce que je fais. Hein. C'est pas très très bien. Hein. Pour plus de sécurité, je vais mettre en route la Nirvana sur le canal du météore. Voilà. Donc, je suis à 0, à 0, à 0 partout. Et je suis bien sur le canal du météore. Donc maintenant, je vais pouvoir le mettre en route plus facilement. Donc, on imagine, par exemple, je veux binder. Donc, il n'y a pas les hélices, bien sûr, et le drone, bah écoutez, on vient de le monter. Alors, c'est aussi une méthode de test, parce que ça va vous servir de coupe-circuit. S'il y a une anomalie, je vais vous le montrer tout de suite. Hop, par exemple, comme on est en sortie d'alimentation, si je branche une batterie, par exemple, ah, c'est ridicule hein, d'alimenter une batterie, et bah écoutez, je le fais. Donc, pour le réglage ici en power, on va être sur custom ici, ça veut dire qu'on va faire nos propres réglages. Vous avez sinon différents réglages préprogrammés, comme par exemple le Mavic 2, le Mavic S, le Phantom, l'Inspire. Et sinon, vous avez le custom, là c'est vous qui faites vos réglages, et vous avez le flou ici, où là, l'alimentation, ce sera automatiquement votre alimentation de base. Donc nous, on va prendre le custom ici pour être sûr. Voilà, on va se mettre sur 16 volts, ici, pour une batterie 4S, et je vais mettre 1 ampère, tout simplement, on peut tout régler. Hein. Et ensuite, je vais faire start. C'est parti. Ça se lance, et tout de suite, remove batterie, retirer la batterie. Donc là, ça ne fonctionnera pas. Et bien pareil, si vous avez un court-circuit, un mauvais montage, l'appareil va vous le dire. Voilà, ça fait une sorte de sécurité en plus. Il en existe d'autres, mais là, ça vous en fait une. Donc maintenant, je vais alimenter mon drone. Tac. Et donc là, j'ai la bonne config, 16 volts, 1 ampère. Et bah écoutez, on imagine que, bon bien sûr, je vous l'ai dit, il n'y a pas les hélices. J'ai mon petit récepteur de brancher. Je maintiens mon récepteur. Ici, je vais quand même maintenir le drone, hein, on ne sait jamais. Je maintiens mon récepteur. Et là, pour le bind, bah, j'ai plus qu'à faire start. Voilà, et automatiquement, j'ai bindé mon appareil. Voyez, là, nous nous sommes bien connectés. J'ai bien les modes de vol. Donc, il est alimenté de façon correcte avec du 16 volts. Ça permet de faire ses réglages. Je vais pouvoir l'arrêter. Tac, ici, il s'éteint automatiquement. Donc voilà, c'est une alimentation de base, si vous voulez faire vos réglages, une sorte de banc d'essai. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre batterie. Alors, je vous dis encore une fois, pour le bind, par exemple, ou pour tester, voir si votre appareil est bien configuré, vous allez pouvoir l'alimenter en direct, sans pour ça passer par une batterie. Donc voilà, c'est un petit plus, tout simplement, et vous avez la batterie que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre du 11 volts, 12 volts, ce que vous voulez, c'est vous qui réglez tout simplement votre batterie. Donc voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce petit engin. Si, petite info, quand on est sur setting ici, là, quand on arrive à idle beep, là, je viens de tester, là, vous avez vu, j'ai remis les beeps. Alors, si vous retirez les beeps, alors idle beep, je sais pas si je peux vous le montrer, là, je peux aller combien au minimum? 1 minute, allez, tac, je vais mettre 1 minute. Alors, si vous laissez les beeps, le buzzer, au bout d'une minute d'inactivité, votre engin va biper. Si vous retirez le buzzer, comme j'avais fait tout à l'heure, au bout d'une minute d'inactivité, s'il est branché bien sûr, il va clignoter, simplement, pour vous dire « Hep, 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 tu m'as oublié gros !» Ah, bip !
Donc il bip et il clignote. Voilà, ça veut dire tu m'as oublié. Mais non, je t'ai pas oublié, je t'y pépère, t'inquiète. Donc je peux le débrancher. Donc voilà ce petit engin avec des petits tampons ici anti-dérapants, plutôt sympa. D6 Elite de chez Hobbymate. Et ben franchement, voilà, au début je me suis dit, ben, c'est quoi ce petit chargeur à 40 balles, parce qu'il vaut 40 balles à peu près. Bien sûr, je vais avoir un coupon, je crois, de 10% que je vous mettrai dans la description avec le lien. Vous savez, quand vous cliquez sur mes liens, même si vous n'achetez pas, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'acheter à chaque fois, rien qu'en cliquant sur le lien, vous aidez ma chaîne, puisque mon partenaire voit que les liens servent à quelque chose. Donc merci, si vous le commandez, bah, pensez à utiliser mon lien, bien sûr, sauf si vous voulez sponsoriser quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci. En attendant, il y aura un code promo avec le lien du D6 Hobbymate. Donc voilà, rappelez-vous, Hobbymate, c'était aussi celui-ci, le météore et le comète qu'on a vu il n'y a pas longtemps. Donc du bon matériel en général. Bah écoutez, je suis content d'avoir ce petit chargeur testeur. C'est plus une base de contrôle qu'un chargeur pour moi. Donc bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez tout compris sur le chargeur Hobbymate. Si j'ai dit des conneries, comme d'habitude, dans la description. D'ailleurs, j'ai dit une bêtise dans la vidéo de la voiture de la ZD Racing 9103. Ou 02, je sais plus. J'ai dit une bêtise. Pour les batteries, quand on fait le calcul de savoir quelle batterie mettre sur quel ESC ou quel moteur, je vous ai dit qu'il valait mieux être, par exemple, si vous avez un ESC de 80 ampères, qu'il fallait une batterie qui atteigne les 80 ampères en continu. Donc c'est une petite bêtise. C'est vrai que j'étais un peu sévère parce que j'ai connu des gens qui avaient mis des batteries beaucoup trop puissantes et du coup qui avaient fait surchauffer. Mais le bon calcul, je vous le remettrai peut-être dans les commentaires, pas dans la description, ce sera trop long, dans le premier commentaire. Le bon calcul, en fait, j'en ai parlé avec plusieurs personnes, c'est assez simple, grosso modo, même si on peut dépasser un peu, un petit peu plus haut. Quand vous avez un moteur qui développe, je vais dire une bêtise, 50 ampères, il vous faut un ESC qui va développer 20% de plus. Donc 20% de 50 ampères, ça fait 60 ampères. Et donc vous avez un ESC de 60 ampères ou 70 ampères. Vous devrez avoir une batterie qui développe 20% de plus que l'ESC. Voilà, pour pas que la batterie souffre et pour avoir une bonne concordance entre les trois. Donc si vous avez un ESC de 60 ampères, 20% de 60, ça fait 12. Donc 72 ampères en continu minimum pour une batterie. Donc voilà, j'espère que ça vous aiguille un petit peu, que ça vous éclaire un petit peu. Excusez-moi, je vous dis comme d'habitude, comme je vous ai déjà dit, je ne suis pas un méga pro, surtout à ces niveaux-là, je continue encore à apprendre. Mais quand je fais des erreurs, je le dis, pardon, j'ai pas fait ce que près. Bon, en attendant, vous n'avez rien cassé, j'imagine. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous hyper bien, à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao!